Hello, my name is Luisela Arevalo-Sigalski. I'm the job coach and I work for Nationality Service Center, NSC. Bonjour, je m'appelle Luisela Zugalski. Je suis coach pour le travail et je travaille pour NSC. During today's presentation, we have an interpreter. Her name is Maud Levibro, and she's going to be helping during the class today and provide with French interpretation. Aujourd'hui, pour notre session, nous avons une interprète française, Maud Levibro, qui va nous aider à traduire cette session en français. This is my contact information, my email and phone number in case you want to reach me are interested in getting any services of career coaching. Voici mon adresse email et mon numéro de téléphone en cas de besoin. Okay, so today's class, we are going to be talking about the elements of US work culture and what is the process that we have to go through in order to look for jobs and find a job in the US. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que vous devez faire pour trouver un travail aux États-Unis. It is important to keep in mind and to understand all the elements regarding the US work culture, because it is going to help us to be successful and adapt quickly and in a better way in the US work culture. C'est très important de pouvoir comprendre tous ces éléments pour comprendre la culture du travail aux États-Unis et pour avoir du succès dans la recherche de votre travail. So now, I would like to talk about the US job cycle. Maintenant, nous allons parler cycle pour trouver un travail aux États-Unis. The US job cycle explains the series of steps that we all have to follow in order to find a job and get a job in the United States and then retain this job after the probation cycle has been completed. Nous allons voir toutes les étapes pour la recherche d'un travail jusqu'à la fin de votre période d'essai. So the first step where that is very important during the job cycle is finding the job. In what places we can find a job and how we can apply for these jobs. La première chose à faire est de savoir comment je vais candidater à un travail et comment je vais trouver ce travail. So there's three ways of how to find jobs in the United States. It can be either in person, and if we do it in person, we will have to submit a paper job application together with our American style resume in order to be eligible and apply an application for a job. Alors, il y a trois façons pour trouver un job aux États-Unis. La première, c'est en personne. Donc, vous devez fournir vos papiers pour candidater. It is the restaurant business and also retail industry where you can have mostly the opportunity of applying for jobs through going to these stores or restaurants and fill out this paper job application. There is another powerful way to look for jobs in the United States, and it is online. Une autre façon de trouver un travail aux États-Unis, c'est en ligne. There are a very large group of employment sites that
are focused on offering jobs from different businesses, companies, and industries. Il y a différents sites internet où vous pouvez que vous pouvez trouver pour trouver différents jobs. Most of the people here in the United States, when they are looking for jobs, they do it online. La plupart des gens aux États-Unis, pour trouver un travail, le font en ligne. If you want to apply for a big company, you will have to submit an online application and attach your American style resume. Si vous voulez candidater en ligne, vous devez transmettre votre CV. If you apply for small businesses, small companies, and non-profit organizations, most likely you will have to send an email and attach your resume, your cover letter, and possibly three professional references. Pour une petite compagnie, si vous voulez candidater pour une petite compagnie, une petite entreprise, vous devrez plutôt envoyer votre CV et votre lettre de motivation, si besoin, par email. There is also a third way and is very commonly used among Americans and is networking. Il y a un autre moyen pour trouver un travail qui est très commun aux États-Unis, c'est le networking, le réseautage. The reason why networking is a very powerful way to find a job here in the United States is because you have the opportunity to know and apply for jobs through people that you know. Pourquoi le networking est important aux États-Unis, c'est que vous pouvez trouver un travail grâce à des personnes que vous connaissez. Now that you live in the United States, it's important to keep in mind that meeting new people, friends, family, community members, co-workers, classmates, and have a good relationship with them is vital in order to do networking. Alors, vous devez comprendre que maintenant que vous vivez aux États-Unis, le fait de parler à vos amis, votre famille, créer des liens avec des membres de votre communauté ou des collègues est vital aux États-Unis pour trouver un travail. It's by meeting new people, sharing information with them when they need it, make a good impression, be respectful at all times is the way of how to build and preserve networking in contacts. Rencontrer des nouvelles personnes, créer le lien, maintenir le lien est très très important dans le networking. People in United States, they do networking for different reasons. Aux États-Unis, ils font du networking pour différentes raisons. Expand their circle, grow their community, ask for advice to create new connections, get new ideas, or discover new job opportunities is the most commonly one. Pourquoi faire du networking? Pour développer votre cercle, faire évoluer votre communauté, demander des conseils, créer des connexions, des liens, trouver des nouvelles idées, et découvrir de nouvelles opportunités de travail. Whether you are working at the moment or you are in a school, always make sure to build good relationships with people and preserve those relationships during the time so they can become connections and contacts that can help you either to find out about job opportunities or help you get the job that you want. Que vous travaillez ou que vous soyez en train d'étudier, il est très important que vous mainteniez les contacts que vous avez avec les gens qui vous entourent pour le futur.
Now, when we apply for jobs, we have to keep in mind of the documents that we need to apply for jobs in the United States. Alors, c'est très important de garder dans votre tête les documents dont vous avez besoin aux États-Unis pour pouvoir candidater à un travail. So, we have two options. Option one, we have to present our state ID and social security card. L'option numéro un, c'est de présenter votre permis de conduire ou carte de l'État où vous êtes aux États-Unis et votre carte de sécurité sociale. If you have a driver's license instead, so the driver's license is going to become your ID. Votre permis de conduire peut être faire office de carte d'identité aussi. If you have a working permit or employment authorization document, so that would be the option two when it comes to documents to present to your new employer. La deuxième option, c'est votre autorisation de travail ou votre EAD, le document d'autorisation à l'emploi. It is important to understand that we do not have to show any proof of being eligible to work in this country legally until we get a job offer. Before that, we don't have to show any documentation. Vous n'avez pas besoin de montrer de documents, ces documents-là, tant que vous n'avez pas de travail. Employers need to check that all employees, new employees who are going to start working in their company, are eligible to work in the country legally. So that's the reason why you need to present it at that moment, not before. Vous devez présenter ce document dès que vous allez commencer à candidater à un travail. So for example, if you are filling out an online or paper job application and it's asking you information related to your social security or your state ID or employment authorization document, do not complete or answer those questions. Si vous candidatez en ligne et qu'on vous demande un numéro de sécurité sociale ou des informations sur ces deux ou trois types de documents, ne les remplissez pas. There's no employer in this country that who doesn't know about this. So a respectful business or employer won't ask for this information until it has made the decision of hiring you. Les employeurs savent que avant qu'ils ne vous emploient, ils n'ont pas l'autorisation de demander ces documents tant que vous n'êtes pas employé. As I mentioned before, we are going to need to fill out a paper job application or online job application if we want to apply for any job in the United States. Il faut remplir un formulaire avant de pouvoir candidater à un travail aux États-Unis. However, part of the US work culture says that we must have a resume. Dans la culture américaine, il faut avoir un CV. Other people call it CV or curriculum. On l'appelle CV ou curriculum. Now, what is the main purpose of a resume? Quel est le but d'un résumé?
to get you an interview. Le but d'un résumé ou d'un CV, c'est de obtenir un entretien. Make sure that you create an American style resume because this is the information that is going to be vital for recruiters and members of human resources department of any company to make the decision to call you and invite you to get interviewed. Il faut absolument faire un CV sur le modèle américain si vous voulez être rappelé par la direction des ressources humaines. But what is a resume? Why so important in this country? You might ask. Pourquoi le CV est aussi important dans ce pays? The reason why it's so important for recruiters and hiring managers in this country is because the resume is going to explain to them who you are and what skills you have. C'est important, le CV, parce que il va expliquer à votre employeur ou futur employeur qui vous êtes. A resume needs to include the following information. Le résumé ou le CV doit inclure les informations suivantes. Contact information, work history, education, skills, and references, the last one being optional. Il doit inclure donc vos informations personnelles de contact, donc téléphone, email, par exemple, votre expérience dans le travail, votre formation, vos compétences et vos références, ce qui est facultatif. Keep in mind that you won't have to provide information about professional references unless that potential employer will ask you for it. If they don't ask you, you won't have to provide any. Pour la partie référence, c'est seulement si l'employeur vous le demande. But if they do, you must provide that information. S'ils demandent ces références, vous devez leur donner, absolument. A professional reference is a person who worked with you in the past. Is currently working with you, or it was your classmate, or a professor, or a current. Qu'est-ce que les références? Les références, c'est une personne pour qui vous avez travaillé ou un ancien professeur qui peut donner des informations sur vous. Never a family member can be a professional reference. Un membre de la famille ne peut pas être un référent professionnel. It's only people who know the way you work and the skills you have. Ce sont seulement les personnes qui vous connaissent dans le monde du travail et qui connaissent vos compétences dans ce travail. Whether it's in an academic setting or in a workplace. Que ce soit dans le monde académique ou dans le monde du travail. When you provide professional references, make sure to give them full name of the person, the job title, company where the person works. Email is the most important one, and as an optional, a phone number. Quand vous donnez une référence, vous devez être sûr de donner le nom en entier de cette personne, où elle travaille, et son numéro de téléphone, son adresse. As I mentioned before, a cover letter you might need to send if you are going to send applications for jobs in small businesses or small companies or non-profit organizations. Pour la lettre de motivation, il faut en envoyer une pour les petites entreprises ou les associations. A cover letter
explains the type of position you are seeking, how qualified you are for the position, and why your experience and skills are relevant to the job. Une lettre de motivation explique le type de poste que vous recherchez, si vous êtes qualifié pour ce poste et pourquoi votre expérience et vos compétences sont pertinentes pour ce travail. In other words, a cover letter is going to be a summary of your skills, work history in education that will prove and explain to the potential employer why you are the best candidate for this job that you're applying. Pour résumer, une lettre de motivation résume, en fin de compte, vos qualités, vos compétences et pourquoi vous êtes la meilleure personne pour ce poste. After applying for a job, when we move forward in the hiring process, the following step is going to have a job interview. L'étape suivante, c'est l'entretien d'embauche. The job interview can be over the phone, and then most likely you will have another individual job interview that it can be in person or through a video call. L'entretien d'embauche peut être tout d'abord au téléphone, puis vous aurez un autre entretien normalement, un entretien individuel en face à face ou en ligne. It's important to understand that the job interview is important because it's a meeting between you and the employer, where the employer will ask you questions to see if you are a good fit for the job. You may also ask the employer questions to see if the job is right for you. These questions you can ask at the end of the job interview. L'entretien d'embauche entre vous et votre employeur, c'est là où votre employeur va vous poser des questions pour voir si vous êtes la bonne personne pour le poste proposé. Vous pouvez aussi poser des questions à votre employeur pour voir si ce poste est le bon pour vous. Regardless the type of job we are applying or we decide to apply, there are very common interview questions that hiring managers will ask in any job interview. These questions are: dans tous les entretiens d'embauche, il y a toujours des questions qui reviennent fréquemment. Les questions sont les suivantes. Tell me about yourself. Why are you interested in this position? What are your strengths and weaknesses? Why do you want to work for this company? Why did you leave your last job? Parlez-moi de vous. Pourquoi êtes-vous intéressé par ce poste? Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Pourquoi voulez-vous travailler dans cette entreprise? Et pourquoi est-ce que vous avez quitté votre dernier emploi? In the American world culture, it is extremely important to prepare for a job interview. You need to study the company, you need to study the job description, and you need to practice the answers of those interview questions. Avant d'avoir votre entretien d'embauche, vous devez vous préparer, vous devez apprendre sur l'entreprise. Do not talk about personal information. The information you must share is only work experience, academic background, and skills.
Ne parlez pas de votre vie personnelle ou d'informations personnelles pendant votre entretien d'embauche. Parlez seulement de votre formation et de vos compétences ainsi que de votre expérience. During a job interview in United States, do not ask about salary. You Pendant can ask about benefits, but not salary. Pendant l'entretien, vous ne devez pas demander le salaire. Vous pouvez parler ou demander des informations sur les avantages, mais en aucun cas sur le salaire. A lot of times, you are going to know the salary that the company offers on the job description when you apply for the job. Si vous voulez connaître votre salaire, vous pouvez avoir cette information sur la fiche de poste pour candidater à ce travail. But if they do not provide, so wait until you get a job offer so they can tell you how much is the salary for that job and then negotiate if possible. Si cette information n'est pas fournie sur la fiche de poste, attendez que l'on vous contacte pour vous embaucher pour demander cette information. Doing it in an early stage during the hiring process might result in you being disqualified from the hiring process. Vous pouvez être disqualifié de cet emploi si vous le faites. There's a few tips that I would like to share with you today regarding the job interview and the process here in the US. Voici différentes informations qui peuvent vous aider pendant la recherche de votre emploi. The all these rules apply, especially if you are going to have an in-person job interview. Ces informations sont très importantes si vous allez avoir un entretien d'embauche. Or an interview over a video call. Ou un entretien par vidéoconférence. Before the interview, make sure to print copies of resume. Practice answering questions. Turn off your cell phone. Plan a professional outfit. Take a shower, brush your teeth, and groom your hair. Make sure you know how to get there. Arrive 15 to 20 minutes early, and always research the company. Avant votre entretien individuel, il y a plusieurs choses à faire. Vous devez imprimer plusieurs copies de votre CV, résumé. Vous devez vous entraîner aux questions-réponses qu'on peut vous poser. Éteignez votre téléphone. Préparez une tenue professionnelle adaptée. Prenez une douche, brossez-vous les dents et coiffez-vous. Soyez sûr du chemin pour aller jusque à l'entreprise. Préparez avant. Arrivez aussi 15-20 minutes avant votre entretien et faites des recherches sur l'entreprise. During the interview, greet your interviewer. Smile. Have a firm but gentle handshake. Maintain eye contact. Pay attention to body language. Ask questions. Speak clearly. And be confident. Pendant l'entretien, saluez votre employeur ou futur employeur. Souriez, ayez une poignée de main ferme mais douce à la fois. Maintenez le contact dans les yeux. Regardez
bien la personne dans les yeux. Faites attention au langage du corps, posez des questions et parlez de façon claire et soyez sûr de vous. If the interviewer asks you a question and you don't understand, ask for repetition. That way you'll be able to answer correctly to each question. Si vous ne comprenez pas une question que votre interlocuteur vous pose, vous pouvez lui faire répéter. After the interview, thank your interviewer. Ask about next steps in the hiring process. Make sure to send a follow-up email and continue applying to jobs. Après votre entretien, remerciez votre interlocuteur. Demandez quelles sont les prochaines étapes. Vous pouvez envoyer un email de suivi et continuer à candidater pour un emploi. After having a job interview, make sure to send that follow-up email, making sure you say thank you to the hiring manager or interviewer for and also for giving you the opportunity of having this job interview and for taking time and consideration to your application. Dans votre email de suivi, qui est très important, vous devez remercier votre interviewer et le remercier d'avoir pris le temps de considérer votre candidature. You must do that within 24 hours after getting interviewed. Vous devez faire ça dans les 24 heures après votre entretien. If you don't have an email address of the interviewer, make sure to go to the website of the company and you can find it there. Si vous n'avez pas l'adresse email de cette personne, vous pouvez aller sur le site internet de l'entreprise pour trouver la bonne adresse email. After we pass the job interview, the following step is going to get a job offer from the employer. Après cela, ce qui se passe après, c'est d'avoir l'offre d'emploi. Most of the time, they are going to give you a phone call and offering you the job over the phone. And after that, you will receive the formal job offer via email, or it can be also in person. La plupart du temps, on va vous contacter par téléphone, puis vous recevrez l'offre officielle par email. Read your job offer letter. Your job offer letter will include job title, wage or salary you're gonna earn, work hours, start date, benefits if applicable, and duration of employment. Dans cette lettre, quand on va vous offrir l'emploi, il y a plusieurs informations. Il y a le nom de l'emploi offert, le salaire, les heures de travail, la date de commencement, les avantages et la durée de votre emploi. The duration of employment will apply in case you are going to work for a very specific period of time for this company. La durée de votre emploi s'applique seulement si vous avez une durée spécifique pour ce poste. If you have to go through a probation period, the job offer letter will be added. That information will be added. Si vous avez une période d'essai, cette information sera ajoutée à votre lettre d'offre d'emploi.
If your offer letter has all of this information and it's correct, you can sign it. Si cette lettre a toutes les informations que nous venons de dénoncer, vous pouvez la signer. If there's any mistake, make sure to contact the company and let them know so they can correct the information. And after that, you'll be able to sign. S'il y a une erreur ou plusieurs erreurs, vous pouvez contacter l'entreprise pour leur dire qu'il y a une erreur et vous pourrez la signer quand ils auront corrigé cette erreur. Keep in mind, your job offer letter is going to be your contract, the relationship with you as a new employee in the company that is hiring you. Cette lettre est en fait votre compte. Cette lettre est en fait votre contrat avec l'entreprise. If you have to go through a probation time, most likely it will last for 90 days or 3 months. Si vous avez une période d'essai, en général, cela dure 90 jours ou 3 mois. There's companies who only require for new employees to go through probation time for 1 month or 2 months only. But most of the time, it's going to be 3 months. Pour certaines entreprises, la période d'essai ne dure que 1 ou 2 mois. Mais en général, c'est plutôt 3 mois. Employees receive extra supervision to learn a new job during this time. Pendant ce temps, les employés ont des aides accrues pour les aider. After the probation period, employees can begin their benefits. Après cette période, les employés peuvent commencer avec leurs avantages. And employers evaluate new employees and can terminate the employee without notice, and vice versa. Les employeurs évaluent leurs nouveaux employés et peuvent arrêter cette période avec l'employé sans les notifier, et vice versa. During the onboarding process that starts at the first, after you accept the job offer, there's information that you're gonna be having access and be learning. Il y a certaines informations que vous devez connaître pour l'intégration dans l'entreprise. For example, dress code. What do you need to wear to go to work? Par exemple, le dress code, qu'est-ce que vous devez porter pour aller travailler? You're gonna be meeting your work team and who your immediate supervisor is. Vous allez rencontrer votre équipe de travail et votre superviseur. You're gonna learn about your start date and what documents you have to bring on your first day at work. Vous allez apprendre quelle est votre date de démarrage et qu'est-ce que vous devez apporter pour votre premier jour. You will have to fill in new hire paperwork and most likely you will have to go through background check and or drug screening. Vous allez devoir remplir des papiers pour votre embauche et on vérifiera tout ce qui est légal et tout ce qui est légal et vous aurez aussi une vérification de si vous avez pris des drogues. If the company decides to run a background check and or drug screening,
Most likely, they will pay for the expenses, not you. S'ils vous demandent de tester si vous avez des drogues ou votre passé, c'est eux qui paieront. If you are going to work for a small business or a non-profit organization, most likely you will have to pay for the background check or drug screening. Si vous travaillez pour une, si vous allez travailler pour une petite entreprise ou une association, ce sera à vous de payer. If the company offers you a training program as a part of the onboarding process, you must ask if it's paid or not paid in case the employer doesn't provide you that information. Si on vous offre une, si on vous dit que vous avez une formation, vous pouvez demander à votre employeur si c'est payé ou non. A lot of companies pay to their new employees for the training program, but they don't have to do it if they don't want to. There's no law who require employers to pay for the new employees to that have to go through a training program. Il n'y a aucune loi qui oblige votre employeur à payer pour vous cette formation. Part of the onboarding forms that we have to fill in, we have the I-9 form. Il y a différents formulaires à remplir pour votre intégration. C'est le premier, c'est le I-9. This is the time where we have to provide either our employment authorization document or our state ID and social security card. C'est là que vous devez fournir les documents dont nous avons parlé précédemment, votre permis de conduire ou votre carte de sécurité sociale ou votre carte d'identité de l'État. The Department of Immigration, USCIS, they require employers to collect this form from any employee in the company to make sure that they are eligible to work legally in the country. Le département de l'immigration demande à tous les employeurs de fournir ces documents. Then we have the form W4. Il y a aussi le formulaire W4. Every time we find a new job, we have to fill in this form, just like the I-9 form. Ce formulaire est obligatoire, tout comme le I-9 vu précédemment. So, depending on your marital status, and if you have children or not, and your salary, you will have to pay more or less taxes to the federal government and to Pennsylvania government. Vous devrez payer des taxes. Cela dépend si vous avez de votre statut marital, si vous avez des enfants et de votre salaire. Ces taxes seront payées nationalement, mais aussi dans l'État de Pennsylvanie. The Pennsylvania State, they have a flat tax rate, meaning that the amount of money that you have to pay for taxes won't change unless your salary changes. Dans l'état de Pennsylvanie, les taxes ne changeront pas par rapport à votre salaire. Then we have the W-2 form. Il y a aussi le formulaire W-2. We have to get this form from our employer every year. It's most likely we're gonna get it every January. It's the form that we need in order to
file our taxes. Vous aurez ce formulaire, c'est votre employeur qui vous le donnera normalement tous les janvier et vous avez besoin de ce formulaire pour remplir votre déclaration d'impôt. This form will reflect your salary for the year, the previous year, and the total of money that you pay for taxes while you were working the previous year for that company. Ce formulaire indiquera votre salaire de l'année d'avant. Then we have the employee handbook. Some companies have it, and if they do, they are going to provide information about their policies, rules, benefits, etc. Et puis vous avez le carnet de l'employé qui regroupe les informations concernant la politique de l'entreprise, une information sur l'entreprise et les avantages de cette entreprise. If the company has one, they will provide a copy. It can be online copy or a paper copy. Vous pourrez avoir une copie de ce carnet de l'employé, soit en ligne, soit en version papier. It's important to understand why we must pay taxes in the United States. C'est important de savoir pourquoi on doit payer des impôts aux États-Unis. So taxes are deducted from your paycheck, as I said before, to fund roads, Medicaid, health benefits, public education, and other services. Vos impôts sont déduits de votre paye pour financer les routes, la sécurité sociale, l'éducation et d'autres services. Any person authorized to work in the US must complete a tax return every year. Toute personne qui est autorisée à travailler aux États-Unis doit compléter une déclaration d'impôt. And if you have a job, if you didn't work the past year, so you won't have to file for a tax return. Si vous n'avez pas travaillé l'année passée, vous n'avez pas besoin de compléter une déclaration d'impôt. Tax returns are due before April 15 every year. La déclaration d'impôt est payable avant le 15 avril. If you work and you do not file a tax return, you may receive a letter in the mail from the IRS stating that you owe the US government taxes. Si vous ne remplissez pas votre avis d'impôt, vous allez peut-être recevoir une lettre du bureau des impôts vous disant que vous devez de l'argent au gouvernement américain. There is a non-profit organization called Vita Center. They have different locations in Pennsylvania, the state of Delaware, and in New Jersey as well. The service that they provide is free. So it's important to keep in mind this non-profit organization in case you need help with the tax preparation every year. Il y a les Vita Centers, qui est une association, c'est gratuit, et ils peuvent vous aider à remplir ces déclarations d'impôts facilement et de façon gratuite. Il y en a plusieurs dans l'état de à Philadelphie. This is a picture of of a pay stub here in the United States, and the information that we are going to be able to see and read. Voici un exemple d'un talon
de vos taxes. So, Social Security, federal tax, state tax, Medicare is part of the information that we're going to be able to see. In summary, how much money is being deducted for taxes based on our salary. Alors, voici les différentes taxes que vous pouvez voir qui sont déduites de votre salaire. Par exemple, les taxes relatives à la sécurité sociale, les taxes d'État, les taxes nationales. Now, let's talk about tips that I would like to provide to you after getting you got the job. And are important to keep in mind and to follow. Voici différentes informations que vous devez garder en tête dès lors que vous avez obtenu un emploi. So have a good hygiene. That's very important when you have a job. Avoir une bonne hygiène est très important. Wash your hands. Wash your clothes. Wash your body once a day and brush your teeth. Lavez-vous les mains, lavez vos vêtements, lavez-vous et brossez-vous les dents. Be on time. Always make sure to check the traffic, bus, or train schedules before you leave. Il est très important d'être ponctuel. Vérifiez vos horaires de bus ou de train avant de partir. Talk to your supervisor. Have a good communication at all times with your supervisor. Avoir une bonne communication avec votre superviseur est très important. It can be by text, by email, or a phone call. Soit par texto, soit par message, soit par téléphone. Make appointments on your day off. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous, faites-le pendant vos jours de congé. In case you can't and you have to set up an appointment within your work hours, so make sure to talk to your supervisor and let him or let her know ahead of time. Si vous ne pouvez pas prendre un rendez-vous pendant vos jours de congé, surtout notifiez-le à votre superviseur et faites-le bien avant ce rendez-vous. Call or text or email your supervisor if you are going to be late or if you have any emergency. Si vous avez une urgence ou que vous allez être en retard, il faut absolument que vous contactiez votre superviseur, soit par texto, soit par message, soit par email, soit par téléphone. Follow the company policies and the dress code. Respectez bien la politique et le dress code de votre entreprise. Keep your job for at least 6 months. However, my recommendation is to stay in a job for at least 12 months before you quit. Il est important de rester dans cette entreprise ou à votre poste pour au moins 6 mois. Mais je vous recommande quand même de garder votre emploi pour au moins 12 mois avant de démissionner si vous souhaitez démissionner. Always try to make sure to get a new job when you decide to quit your current job. Essayez de trouver un autre travail avant de démissionner de votre ancien travail. If you plan to leave your current job, you must talk to your supervisor and give 2 week notice and write a letter of resignation. You can send it by email or paper and give it to the supervisor in person. Si vous avez décidé de quitter votre emploi, vous devez donner un préavis de 2 semaines et donc écrire une lettre de démission à votre superviseur, soit par email, soit en version papier.
This is extremely important if you want to put that work experience on your resume and if you want to use it as a professional reference in the future. C'est très important de respecter ça si vous voulez pouvoir utiliser votre expérience dans cette entreprise dans votre CV. Now let's talk about work schedules. Maintenant, nous allons voir le planning du travail. You have a full-time job if you're a person who works at least 35 hours every week. Vous avez un temps complet si vous travaillez plus de 35 heures par semaine. If you're a person who works less than 35 hours per week, so you have a part-time job. Si vous travaillez moins de 35 heures par semaine, vous avez un travail mi-temps. When it comes to meal and break time, employers are now required to provide breaks to employees that are 18 years old and over. If an employer provides a break that is 20 minutes or less, it must be paid. Otherwise, they don't have to. Les employeurs ne sont pas obligés de vous donner une pause si vous avez plus de 18 ans ou 18 ans. Si un employeur vous autorise une pause de 20 minutes ou moins, ces 20 minutes doivent être payées. Regardless you are a full-time employee or a part-time employee, you have to make sure if you are an exempt employee or non-exempt employee. Vous devez savoir si vous êtes un exempt employé ou un non-exempt employé. An exempt employee is a person who earns a salary and is not required to receive overtime pay. Un exempt employé, c'est une personne qui gagne un salaire ne peuvent pas percevoir des heures supplémentaires payées. A non-exempt employee is the person who gets paid by the hour and that person qualifies to earn overtime. Si vous êtes un non-exempt employé, vous n'avez pas de salaire, mais vous gagnez un salaire à l'heure. Vous êtes payé à l'heure. Et donc, vous pouvez avoir des heures supplémentaires payées. The overtime is a pay increase of 1.5 of the regular wage after working more than 40 hours in one week. Si vous travaillez plus de 40 heures dans la semaine, les heures supplémentaires sont multipliées par 1,5 par rapport au salaire horaire usuel. So always multiply the amount of money that you get paid by the hour, multiply it by 1.5. And that way you will know how much the employer is going to pay you per hour of overtime that you work. Vous prenez ce que vous gagnez normalement à l'heure et vous le multipliez par 1,5 et vous saurez combien votre heure supplémentaire sera payée. Time off and employee benefits. Les congés et les avantages pour les employés. Parental, vacation and sick leave. They are time off offered by the employer. It may be paid or unpaid. Le congé parental, les vacances et les congés maladie sont des congés qui sont offerts par votre entreprise, mais qui peuvent être payés ou non payés. In the United States, by law, employers are not required to pay for parental time off or vacation time. If they do,
is because it's part of the benefits that they offer to their employees. Le congé parental et les vacances font partie des avantages que l'entreprise offre à ses salariés. Parental time off applies only after the birth of a child or adoption. Le congé parental est pour en cas de naissance ou de l'adoption d'un enfant. Make sure that your company, if your company provides with this benefit, and also if it's, this time off is paid or not. Vérifiez que cet avantage fait partie des avantages offerts par votre entreprise et si c'est payé ou non. The same rule applies to vacation time. Make sure that your if your employer offers vacation time, how many days of vacation time per year, and if it's paid or not. C'est la même chose pour vos vacances. Demandez l'information pour savoir combien de temps vous pouvez avoir de vacances et si c'est payé ou non. The same rule applies to sick time. Et c'est encore la même chose pour ce qui est des congés maladie. There's a federal law that is called Family Medical Leave. Il y a une loi fédérale qui s'appelle congé médical pour la famille. Through this law, and if you qualify, you are entitled to take no more than 12 weeks of leave that is not paid for medical situations, childbirth, or adoption. Cela peut aller jusqu'à 12 semaines non payé de congé pour tout ce qui est naissance ou adoption ou situation médicale. Most of this information you are going to be able to learn about it on your job offer letter and also in the handbook of the company if they have one. Toutes ces informations, vous pouvez les trouver sur votre offre dans la lettre dont nous avons parlé précédemment. The same thing applies to medical insurance, vision, and dental, and pension plans. Cela s'applique aussi pour tout ce qui est votre sécurité sociale et autres informations sur la santé. Let's talk about the minimum wage. Nous allons parler du salaire minimum. The federal government, they state that employers may pay more, but they cannot pay less than $7.25 per hour. Le salaire minimum est de $7.25 de l'heure. At the same time, every government of each state, they can offer a higher minimum wage. In the case of Pennsylvania, they offer the same minimum wage. So they follow the same rule of the federal government. Donc, 7,25 $, c'est le salaire minimum national. Mais en fonction des États, ce salaire minimum peut varier. Pour ce qui est de l'État de Pennsylvanie, le salaire minimum suit celui du salaire minimum national, c'est-à-dire $7.25 de l'heure. It's important that you know that you cannot be discriminated against for. Il est important que vous sachiez que vous ne pouvez être discriminé pour certaines raisons. Age, sex and or gender, ability or disability, race, color of your skin, religion, national origin. C'est des discriminations pour lesquelles vous ne pouvez pas être discriminé. C'est l'âge, votre sexe, un handicap,
votre couleur de peau, votre religion ou votre origine. Workers' compensation. It's a law, it's a federal law that protects employees who become sick or they get injured while doing their job. It's important to know that employers must provide a workplace that is free of harmful things and situations. Alors, vous pouvez avoir des compensations en tant que travailleur. Ces compensations vous protègent si vous êtes malade ou blessé pendant votre travail, pendant que vous travaillez. Les employeurs doivent vous donner un espace de travail qui soit dans lequel vous vous sentez en sécurité dans toutes les situations. So keep in mind that if you get injured while you are at work, your employer must pay for the medical expenses. Si vous êtes blessé pendant votre travail, votre employeur doit vous rembourser vos frais médicaux. Sexual harassment. Harcèlement sexuel. Is unwelcome sexual advances, requests for sexual favors, or other verbal or physical contact. The behavior does not have to be of a sexual nature and can include offensive remarks about a person's sex. Le harcèlement sexuel est interdit. Tout harcèlement verbal ou physique n'est pas admis. If you feel like you have been a victim of workforce harassment, you can file a claim with the Equal Employment Opportunity Commission, EEOC. Si vous avez été victime ou que vous sentez victime de harcèlement au travail, vous pouvez remplir une plainte avec le EEOC. You can also report it to the Department of Human Resources, or you might want to report it first to your your immediate supervisor. Vous pouvez aussi reporter cette situation à votre superviseur direct ou au département des ressources humaines. If they do not open an investigation about it, so you can go and file the claim with EEOC. Si dans le cas où ils ne font pas d'enquête sur cette situation de harcèlement, vous pouvez aller vers le EEOC. It is important to remember to document everything because that's going to be the evidence so that you can show and prove that you have been a victim of any type of harassment. Si vous complétez une plainte, vous devez absolument avoir des preuves et donc c'est important de documenter tout cela. So this has been the end of today's presentation. C'est la fin de cette présentation aujourd'hui. I hope you find all this information very helpful. J'espère que toutes ces informations vous ont aidé. And also helps you to understand more the US work culture and the process of finding a job, getting a job and be successful. Et que cela vous a aidé à comprendre la culture américaine dans le travail. Again, this is Luisella Revolosigalski, job coach from NSC, and French interpreter, Maud Levy-Bro. Je répète, c'était Luisella Zukalski et pour NCS et l'interprète, Maud Levy-Bro. Thank you and have a great day. Merci et bonne journée.